Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais parler des partenariats que certains influenceurs, influenceuses du milieu littéraire peuvent obtenir avec des maisons d'édition et également de tout ce qui concerne les services presse. Alors, pourquoi je voulais parler de cette vidéo? Pourquoi je voulais pas dire... Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Je voulais la faire tout simplement parce que moi, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, alors c'était il y a fort longtemps, enfin il y a fort longtemps, c'était au début de Facebook, non peu importe. Quand j'ai commencé surtout à être sur Instagram, j'ai rapidement été abonnée à des comptes de personnes qui faisaient en fait des chroniques littéraires. Et j'ai toujours trouvé ça très chouette, et du coup moi aussi très rapidement je me suis mis à faire des chroniques littéraires. C'est-à-dire que ce que j'aimais avant tout c'était que je lisais un livre, et ensuite je pouvais faire sa chronique, c'est-à-dire que tout simplement je rédigeais un avis sur ce livre. Alors évidemment tout avis est toujours subjectif, même si on essaye de mettre en avant des points possiblement objectifs du livre, mais bon, ça reste de la lecture, ça reste une forme d'art, donc il y a une forme de subjectivité. Donc mon avis sur ce livre, le résumé, et d'essayer en gros de donner envie à d'autres personnes d'aller lire ce livre. Pour moi au départ ça avait un intérêt qui était surtout de pouvoir recenser mes lectures parce que ça me permettait de garder une trace de ce que j'avais lu, de pouvoir éventuellement revoir, voilà. Donc j'aimais bien cette idée. Je ne connaissais pas encore du coup tout ce qui était service presse, partenariat, quand j'ai commencé à ouvrir mon compte Instagram auteur, qui n'était pas encore un compte Instagram auteur, qui était vraiment un compte plutôt lecteur, c'était en 2020, on était pendant le confinement, je venais de me remettre vraiment à la lecture parce que je lisais avant, mais je lisais plutôt des thèses historiques, de même que j'écrivais plus des trucs très historiques. Donc là, je me remettais du coup vraiment à la lecture pour le plaisir, comme quand j'étais ado. Et du coup, je suis tombée au départ sur des booktubeurs qui recevaient des services presse, qui avaient des partenariats et qui faisaient des chroniques de livres. Et je me suis dit, c'est trop cool, j'aimerais trop faire pareil. Voilà, donc pendant pas mal de temps, je me suis dit, j'aimerais bien faire pareil, sauf que moi, je ne comprenais pas comment c'était possible, en fait, tout simplement, d'avoir des partenariats. Alors, je comprends bien comment c'était possible, mais je me renseignais pas plus que ça, hein, d'accord? Je veux dire, ça m'est peut-être déjà arrivé de voir passer des appels à partenariat, mais à l'époque, c'est vrai que je ne suis pas sûre d'avoir répondu à des appels à partenariat. Après, j'ai fini par comprendre, effectivement, qu'il y avait des moments donnés dans l'année où les maisons d'édition faisaient des appels à partenaires, c'est-à-dire, en fait, où des maisons d'édition cherchent des partenaires, c'est-à-dire, souvent, ce sont des influenceurs qui ont quand même pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux, pas juste dans le but d'exclure tous les petits comptes, c'est juste que faut quand même comprendre que quand une maison d'édition choisit de faire un partenariat avec un influenceur, elle va envoyer gratuitement des livres en service presse. Ces livres, elle attend un retour en gros sur investissement dessus, donc elle envoie gratuitement le livre à l'influenceur ou l'influenceuse, et en échange de quoi la personne doit produire une chronique qui, pour la maison d'édition, c'est de la com, doit avoir un effet rebond normalement de provoquer un acte d'achat. Donc forcément, s'il y a des petits comptes, ça peut arriver que des maisons d'édition fassent des partenariats avec des petits comptes, hein, c'est pas pour dire que c'est pas bien, enfin voilà, faut comprendre ça, je pense, dans leur manière à eux, c'est-à-dire dans un côté commercial, ce qui est totalement normal, parce que eux, le but, c'est de pouvoir vendre. Donc je pense que c'est aussi pour ça que souvent, dans les appels à partenariat, ils demandent quand même un certain nombre d'abonnés. Souvent, c'est quand même plus de 1000 abonnés sur TikTok, sur Instagram, enfin voilà. Donc pendant longtemps, c'est vrai que j'avais pas 1000 abonnés sur Instagram de toute façon, j'avais pas TikTok à l'époque, et surtout, j'avais une chaîne YouTube, mais il ne m'était jamais venu à l'esprit de proposer en fait des partenariats et de m'inscrire pour des services presse en utilisant ma chaîne YouTube. Alors pas celle-ci, mais ma chaîne YouTube enseignante, du coup, celle Histoire d'une prof où je parle de mon métier d'enseignante. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos de conseils lecture pour les élèves potentiels qui seraient sur la chaîne, notamment au départ sur des vidéos de romans historiques, mais adaptés pour les jeunes qui pourraient les aider, à apprécier l'histoire géo. Voilà, parce que des fois, passer par la fiction et des romans pour apprécier la grande histoire, c'est une petite idée. Second, je termine mon café. Et du coup, j'avais demandé à une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui s'appelle Poulpe Fiction, s'ils pouvaient m'envoyer des romans historiques. Alors, Poulpe Fiction, je les aime bien parce que ils proposent deux collections que j'aime beaucoup. La collection qui s'appelle 100% bio. 100% bio, en gros, c'est des ados qui racontent... Alors là, c'est les grandes inventions vues par deux ados, donc ils vont prendre des grandes inventions et ils vont la raconter sous forme d'exposé, mais ludique, drôle, sympathique. Ou sinon, il y a la collection aussi 100% bio, mais à partir de personnages historiques ou de plusieurs figures historiques. Et je trouvais ça sympa, d'autant que, en plus,
je faisais ma vidéo, je le lisais, je faisais ma chronique, et moi ensuite je peux l'amener dans l'établissement scolaire où je travaille, donc le monsieur du CDI est toujours ravi quand je débarque avec des romans de poupées fiction en disant « c'est pour les élèves !» Il est là « super, on n'aura pas à les acheter !» Et moi je suis là « ouais !» Comme ça je pourrais les recommander à mes gamins. Et du coup voilà, donc j'étais dans l'idée au départ de pouvoir proposer vraiment des livres en lien avec ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en lien du coup avec l'histoire, adapté aux enfants. Donc ils ont une autre collection Poulpe Fiction qui est cette fois vraiment des petits romans historiques. Là par exemple, La Tour de Jeanne, ça raconte l'exposition universelle, la construction de la Tour Eiffel, ça parle aussi bah, du coup de la place des femmes à cette époque, mais adapté à un public, c'est du 8-14 je pense à peu près, ou Poulpe Fiction en fonction des romans, ou celui-là, Marius et Sabinus, donc qui raconte l'histoire de deux frères, c'est deux frères, oui c'est ça, à Pompéi, donc pendant l'explosion... l'éruption, pardon, du Vésuve. Donc au départ, voilà, j'étais dans l'idée de proposer des choses qui soient vraiment en lien avec ma chaîne YouTube. Puis j'ai répondu à un premier appel à partenariat qui était proposé par les éditions Hachette Roman pour pouvoir donc du coup être partenaire. Et comme j'étais dans l'idée de pouvoir développer justement sur ma chaîne YouTube la branche un peu conseil lecture, du coup bah je m'étais inscrite à partir de ma chaîne YouTube et Hachette Roman a accepté. Donc j'ai été ravie, vraiment, j'étais très très contente. Après c'est vrai que j'avais pas mal d'abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc du coup bah j'étais aussi dans l'espoir que ça puisse un peu attirer un public intéressé par la littérature. Bon, au final, il y a eu des gens qui ont vu les vidéos, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de dire non plus. C'est que ce que je constatais quand même, c'était que mes vidéos proposées sur ma chaîne YouTube enseignant faisaient moins de vues par exemple que des vidéos où je parlais de mon métier, mais ce qui était normal puisque la cible n'était pas forcément celle qui à la base me suivait sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai préféré réorienter mes chroniques alors que je faisais toujours sur la chaîne YouTube, mais en parallèle du coup j'avais ouvert un compte TikTok et j'ai continué mon compte Instagram qui a gagné un peu en abonnement, donc on va dire que ça m'a aidé à donner un peu plus de visibilité notamment à mes chroniques. Et du coup maintenant je suis assez contente parce que j'ai pas mal de chroniques, pas tellement de partenariats, c'est-à-dire que là mon partenariat avec Hachette c'est fini. Non pas parce que ça se passait pas mal, hein, c'est juste que bah c'est normal, après les choses ça tourne, ça évolue, c'est totalement logique, voilà. Puis je pense que c'est pas forcément parce qu'ils vous disent oui une année, non une autre année, que c'est pas possible qu'une autre année ça refonctionne, donc voilà. J'aimais beaucoup le partenariat avec Hachette, j'avoue, parce que le partenariat avec Hachette, on avait accès à tout le catalogue Hachette, on avait pas mal de bouquins qu'on pouvait prendre du coup tous les mois, avec l'effet inverse que des fois vous vous retrouvez avec beaucoup de livres à lire et vous êtes là, ouh là là là, parce que... En gros, on a 2 mois pour faire la chronique. Bon, je ne pense pas qu'il serait venu me tomber dessus avec un truc en disant « t'as pas fait ta chronique !» Mais pour autant, voilà, c'est quand on a envie de rendre les choses, qui est un peu normal pour moi. À un moment donné, si on met 6 mois à faire sa chronique, le livre, on sait bien que son existence, voilà, c'est dans les premiers temps de sa sortie que peut-être il va y avoir le plus grand nombre de ventes. Après, avec des moments dans l'année où ça peut se relancer, mais voilà. Et sinon, j'ai d'autres aussi, pas partenariats. Alors, à part avec les éditions... les éditions Slalom, parce que les éditions Slalom, il y a 2 partenariats qui existaient avec les éditions Slalom. Moi, j'ai un partenariat qui me permet d'obtenir, du coup, 2 livres par trimestre, ce qui est plutôt bien, parce que, du coup, là, j'ai le temps, à peu près 3 mois, du coup, à chaque fois, pour faire les chroniques. Par exemple, du coup, c'est là que j'avais obtenu celui-ci. D'abord, qu'il est très beau. Noblesse oblige, si jamais vous le lisez. C'est du young adulte, mais franchement, en le lisant, je me suis dit, je le ferai pas lire à mes élèves. Parce qu'il y a vraiment genre, il y a une scène, à un moment, j'étais là, ah, ah, non, pas tout de suite. Enfin, bon, mes élèves, ils sont des collégiens, hein, donc j'étais là. Voilà, j'avais obtenu aussi celui-ci, du coup, Bretzel Break, trop bien, Maëlle de Sarre. De toute façon, Maëlle de Sarre, vous y allez les yeux fermés, c'est tellement drôle, j'adore ces livres, ils sont géniaux. De toute façon, j'aime beaucoup les livres de chez Slalom, hein, il arrive souvent, c'est faux, pas du tout. Enfin, la plupart du temps, donc, on reçoit simplement les livres au moment de leur sortie, dans ma boîte aux lettres. Ma grande joie, c'est à la bibliothèque, pas du tout. À la boîte aux lettres, chercher mes livres pour voir si j'ai des colis. Donc là, par exemple, voilà, donc celui-là, il était dans une enveloppe classique, dans un colis. Donc ça, c'est Le Soleil se lèvera demain, de Aurélie Massé. J'en avais lu aussi de cette autrice, j'en avais lu un autre. C'est un drame, hein. Enfin, c'est drame fantastique... un peu dystopique, je dirais. Je suis en train de le lire. C'est pas mal, j'aime bien. Il arrive du coup des fois aussi qu'en fonction des sorties, les maisons d'édition vous envoient des romans dans lesquels vous avez des box dans lesquels en gros vous avez des goodies. Par exemple, là pour la sortie de Océan, j'ai reçu un très 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 gros colis. Un très gros colis qui vient de chez Editis.
Je suis si forte. Oh, qu'est-ce que j'ai? Oh. Waouh, il est trop beau. Il est très gros, surtout. Géant. Et aussi. Exceptionnel. Admirons tous ensemble ce jaspage merveilleux. Je suis pas hyper sensible au jaspage, mais j'avoue que ça rend quand même vachement bien. Donc pour la sortie de Océan, alors j'ai pas la boîte parce que je l'ai mise là-bas. Enfin, peu importe. Mais du coup, voilà, dedans, il y avait une illustration donc des deux garçons. C'est Adam et... Je me rappelle plus comment s'appelle. Jan. Alors, il y a cette petite chose dedans. Ça, c'était sirop de litchi. Voilà. À boire à la page 107. Donc, il faut que j'attende la page 107 pour pouvoir le boire. Voilà. J'aime bien, je trouve que c'est chouette. Ça donne une autre vision aussi du roman. Après, par exemple, des fois, vous aviez aussi... bon, là, par exemple, chez Hachette... Comme Hachette, ils ont aussi le livre de poche. Donc, par exemple, ça c'est Earthropper tome 5. Et ensuite, j'avais aussi certaines éditions en petits exemplaires. Voilà, pour vous montrer un peu rapidement celui-là. Bon, l'engrange temps, voilà. Très beau, très beau. Oula. Ah oui, ça c'est parce que. Non, c'est parce que j'ai vu Nell, l'autrice aux Imaginales. J'ai une petite carte avec sur la carte. Voilà, donc très beau livre. Enfin, en tout cas, c'est pas tant pour vous montrer du coup toute ma collection de bouquins. Aujourd'hui, ce que je fais et si ça vous intéresse, vous, d'obtenir du coup des partenariats. Donc chaque année, je vous disais, les maisons d'édition vont lancer à certaines périodes de l'année des appels à partenaires. Donc je vous conseille de rester connecté. Alors je dirais sur Instagram parce que moi je le vois beaucoup sur Instagram, mais du coup aux appels à partenariats qui peuvent être effectués. Par exemple, là récemment, j'ai répondu à celui de Didier Jeunesse. Bon, j'ai pas été pris parce que voilà, ils m'ont renvoyé un message me disant il y avait beaucoup de candidatures et du coup, on en a privilégié d'autres. Encore une fois, ce qui est normal. Enfin, faut s'attendre aussi à ce que ça ne fonctionne pas, surtout des fois du premier coup. Mais voilà, c'est normal aussi. Puis c'est un choix qu'ils font. Puis ils trient par rapport, je pense, et aux candidatures et au nombre d'abonnements, parce que c'est ce que je vous disais au départ. Eux, leur but, c'est qu'il y ait un retour sur investissement. Après, moi, ce que je vous conseille aussi de faire, si jamais vous n'avez pas de partenariat directement à l'année avec une maison d'édition, c'est si vous avez un compte vraiment dévolu à l'écriture, si vous faites régulièrement des chroniques, je dis ça parce que c'est bien de pouvoir montrer du coup déjà aux maisons d'édition ce que vous faites, c'est pas juste de dire j'ai jamais fait de chronique, faites-moi confiance, j'ai pas beaucoup d'abonnés, et envoyez-moi un livre gratuitement. Enfin, la maison d'édition, si vous vous mettez de son point de vue, elle n'a rien à y gagner à faire ça. Si, à être gentil, mais je veux dire, c'est une entreprise. Enfin, à un moment donné, ce qu'elle veut, c'est générer un chiffre d'affaires. Donc, c'est pas juste d'être gentil. Voilà, c'est pas trop l'objectif. Enfin, pour elle, après, ils peuvent être très gentils, les gens dedans. Mais voilà, ce qu'ils cherchent quand même avec les influenceurs, c'est qu'il y ait de l'influence avec une répercussion. Mais en tout cas, moi, ce que je fais maintenant, bon, sauf quand je vais me balader dans une librairie et que je suis happée par un livre et que je me dis « Oh, fou, je l'achète !» Voilà. Sinon, si vraiment il y a un titre qui me plaît et dans tous les cas, moi, je ferai une chronique qu'on me l'ait envoyée gratuitement ou que je l'ai acheté le livre parce que c'est pour moi, j'aime bien recenser mes lectures et j'adore faire des chroniques, donc voilà. Mais sinon, ce que je fais généralement, c'est que j'envoie un mail à la maison d'édition. Donc pour ça, je vais sur le site de la maison d'édition ou sur Instagram. Mais je préfère envoyer par mail, je trouve que ça fait un peu plus professionnel. Donc j'envoie un mail en fait à la maison d'édition et je leur explique que je fais régulièrement des chroniques presse, que j'ai eu des partenariats avec des maisons d'édition, que j'ai déjà régulièrement fait des chroniques. Je leur envoie aussi souvent le lien du coup vers mes réseaux sociaux, vers une ou deux chroniques que j'ai fait pour leur montrer du coup mon travail, et je leur donne dans le mail du coup mes coordonnées aussi, parce que souvent en fait si jamais ils vous disent oui, ils vont vous demander vos coordonnées, donc autant les donner directement. Enfin, je vous dis ça, mais je crois que plusieurs fois j'ai oublié, plusieurs fois ils me les ont demandé ensuite quand ils m'ont dit d'accord. Voilà, donc en fait je tente, au pire je me dis ils répondent pas ou ils me disent non. Bon, de toute façon, dans ce cas-là, j'irai acheter le livre, point. M'empêchera pas de lire le livre. Et puis, au mieux, ils me disent oui. Et quand j'ai fait ma chronique, souvent, ce que je fais aussi derrière, c'est que, pour leur montrer, du coup, que j'ai bien fait aussi mon travail, je leur envoie un mail avec le lien vers la chronique, que ce soit vidéo, TikTok, Instagram, YouTube, enfin voilà, pour leur montrer un petit peu, ce que j'ai fait aussi pour, voilà. Et toujours en restant, je pense, c'est important, poli. C'est-à-dire que c'est pas non plus parce que quelqu'un vous dit non à un partenariat qu'il faut l'agresser derrière. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai reçu le mail, par exemple, où Didier Jeunesse m'a dit, vous avez pas été pris, j'ai pas dit, oh, comment ça? mais vous m'avez pas pris. Non, j'aurais dit, écoutez, je comprends, c'est normal, enfin voilà, il y a d'autres personnes, il y a d'autres candidatures, j'espère être prise une prochaine fois, point. Voilà, je pense qu'il faut toujours, de toute façon, rester cordial, se dire que il y a d'autres personnes, voilà, c'est pas votre tour aujourd'hui, ça sera peut-être votre tour plus tard. Mais dans tous les cas, si en tout cas vous débutez un compte de lecture et que vous voulez vraiment monter en communauté, commencez à faire des chroniques,
même si vous n'avez pas de SP, même si vous n'avez pas de partenariat, pour pouvoir ensuite vous appuyer dessus et pour pouvoir montrer aux maisons d'édition ce que vous faites. Parce que je pense que c'est toujours un gage aussi pour elles de voir ce que vous faites avant de faire confiance aussi. Et voilà, il faut déjà monter une communauté, avoir un potentiel du coup de personnes qui ont une visibilité sur vous pour que vous ayez un effet rebond derrière. Voilà, mais en tout cas c'est une super expérience, moi j'aime beaucoup. En dehors du fait que des fois je me mets la pression toute seule parce que je me dis ouhou, j'ai tout ça à lire et du coup faut vite 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 que je le fasse parce que bah faut que je fasse mes chroniques et que j'aime bien être dans le temps, mais globalement c'était un de mes grands rêves de pouvoir recevoir des livres dans ma boîte aux lettres et de pouvoir faire des chroniques comme ça pour des maisons d'édition. J'aime beaucoup 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 ça, voilà. Donc je suis très contente de cette expérience et je pense que je vais continuer à la poursuivre. Je sais pas si cette phrase était logique et française, mais voilà. Donc je ferai des vidéos, je pense, prochainement, où je vous présenterai un petit peu mes dernières lectures. Voilà, peut-être des lectures un peu plus thématisées aussi pour vous proposer des conseils lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de futurs enregistrements.